Alors, un petit mot à l'endroit de Papa Wemba ce soir.
devant la Fondation Papa Wemba? Merci. Moi, je n'aime pas trop parler de Papa parce que je n'ai pas eu la chance vraiment de le connaître. C'était juste après. Même quand je pleurais à la télé, je ne pleurais pas comme Papa de Salim, par exemple. Je pleurais comme quelqu'un. Je regrettais, en fait, parce qu'il y avait tellement de choses à faire avec Papa. Et il est parti comme ça. Il part. Parce que quand je l'ai appelé au téléphone, il m'a dit « Non, voilà, la sauce n'a pas envie, on a dit la pote, on a dit la pote, on a dit la pote. » J'ai rien compris. Bon, il a dit « Ah bon, mon français. Il faut que je raconte. Il a dit, Il faut apprendre le lingala, Phil. Le public de ce soir, il va te donner. Apprendre aussi le lingala. Non, alors je sais. Il a dit quand je l'ai appelé, je lui ai dit « Papa, ça va, t'es bien arrivé à la Abidjan ?» Il a dit oui, d'accord, il m'a appelé pour me souvenir de mon anniversaire, parce que j'ai fêté mes 30 ans. Ouais. Après, il m'a dit, je ne reviendrai pas, je reviens quand en France. Il m'a dit, non, je ne reviens plus, rester là-bas, comme tu aimes bien la France, reste là-bas. Parce que lui, il ne voulait pas que je sois ici. Il m'a dit que ma place était en Afrique. Donc, c'est ça. Et puis, seule chose, un petit bémol. J'ai fait quand même un peu de documentaire aussi, mais je ne suis pas venu là. On posera la question à Elvis. La belle Elvis, Cornélie, j'ai pris mon train pour venir faire le truc, je ne suis pas venu. Merci, on l'applaudit s'il vous plaît.